aujourd'hui que des avantages. On va en parler avec vous, Lionel Friedfeld, notre analyste. Bienvenue. Bonjour David. Alors d'abord, Lionel, votre regard sur l'état du blanchiment en Israël, est-ce qu'on est déjà dans des seuils qui pénalisent l'économie? Alors effectivement, en tout cas, on estime à 20% du PNB, donc le PNB israélien est à peu près de 240 milliards de dollars, l'économie parallèle. Donc c'est un chiffre important, mais ça reste dans une moyenne européenne également de 20%. En Israël, les seuils, on vient de l'entendre, ont été ajustés, notamment sur les transactions en espèces, à 10 000 shekels entre particuliers et commerçants, elle sera baissée à 5 000 shekels après, et après entre particuliers à 15 000 shekels et 50 000 shekels. En fait, il y a une transaction notamment sur les voitures de deuxième main. C'est des mesures assez fortes d'après vous pour impulser des changements? Alors, mesures assez fortes, oui, mais simplement parce que le manque à gagner dans cette transaction en espèces est entre 40 et 50 milliards de shekels par an pour le Israeli Tax Authority, en fait le fisc israélien. Donc ils veulent justement mettre la main sur cet argent. Justement, un petit point, on a entendu dans le reportage, imposer tout simplement la déclaration des revenus en Israël, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Je crois que c'est une fausse bonne idée. De toute façon, en Israël, il y a un système de prélèvement à la source. Si vous êtes salarié, les taxes sont prélevées directement à partir de votre fiche de paye, ça ne change pas à grand-chose. Et si vous êtes indépendant, il y a un régime d'auto-entrepreneur et également, c'est prélevé à la source. Alors plus globalement maintenant, Lionel, au niveau des efforts pour plus de traçabilité sur les transactions, c'est un problème qui est mondial, hein, on est d'accord. Qu'en est-il dans les autres pays? On pense aujourd'hui aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe là-bas à ce niveau-là? Alors, États-Unis, c'est simple, en fait, les transactions, notamment en espèces, sont à peu près de 10 000 dollars. Au-dessus, en fait, il faut utiliser soit des chèques, soit des virements, soit des outils électroniques. Il n'y a pas d'harmonisation en Europe. En Europe, la France, les transactions sont limitées à 3 000 euros en espèces, un peu plus, notamment si c'est non-résident. La Grèce, pour donner un exemple intéressant, c'est que la Grèce, il y a 25% d'économie parallèle en Grèce, c'est à peu près 1500 euros. L'Italie est descendue à 999 euros, justement, pour essayer de lutter contre en fait, cette évasion. C'est différent, c'est assez important, finalement, entre les États européens. Effectivement, il n'y a pas d'harmonisation, mais c'est effectivement l'Europe. En tout cas, c'est que l'ensemble des pays, et notamment, il y a des normes de l'OCDE, qui essaient, justement, d'harmoniser un petit peu tout ça. Mais aujourd'hui, chaque pays a sa propre législation. En prenant un petit peu de hauteur, un petit peu de vision, est-ce que d'après vous, les transactions électroniques vont devenir exclusives à très court terme, moyen terme? Alors, exclusives, sans doute, c'est impossible. Aujourd'hui, l'espèce, les liquidités, notamment dans les pays émergents, est toujours assez importante. Alors, il est vrai que l'utilisation des cartes de crédit, de débit, Visa, Mastercard, American Express sont en train d'exploser. Il y a à peu près 10% de taux de croissance chaque année, ce qui est énorme. Mais surtout, le paiement électronique. Et on peut penser paiement électronique classique comme PayPal, qui génère aujourd'hui énormément de paiements, mais des paiements justement un peu plus innovants, notamment à partir d'un smartphone. Ouais, et on pense aussi au Bitcoin, ce serait une sorte de mutation culturelle aussi. Donc PayPal aussi, l'Apple Play, pardon. Oui, il y a beaucoup de sujets, le Bitcoin, effectivement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de buzz aujourd'hui, c'est une part marginale des paiements. Alors, on est d'accord. Qu'en est-il dans les autres pays? On a entendu aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe là-bas à ce niveau-là? Alors, États-Unis, c'est simple. En fait, les transactions, notamment en espèces, sont à peu près de 10 000 au-dessus, en fait, il faut utiliser soit des chèques, soit des virements, soit des outils électroniques. Il n'y a pas d'harmonisation en Europe. En Europe, la France, les transactions sont limitées à 3 000 euros en espèces, un peu plus, notamment si c'est des non-résidents. La Grèce, pour donner un exemple, c'est intéressant, parce que l'économie de la Grèce, il y a 25% d'économie parallèle en Grèce, c'est à peu près 1500 euros. L'Italie est descendue à 999 euros, justement, pour essayer de lutter contre en fait, cette évasion. Ça, c'est différent, c'est important, finalement, entre les États européens. Effectivement, il n'y a pas d'harmonisation, mais c'est effectivement l'Europe. En tout cas, c'est que l'ensemble des pays, et c'est notamment, il y a des normes de l'OCDE, qui essayent, justement, d'harmoniser un petit peu tout ça. Mais aujourd'hui, chaque pays a sa propre législation. En prenant un petit peu de hauteur, un petit peu de vision, est-ce que d'après vous, les transactions électroniques vont devenir exclusives à très court terme, à moyen terme, on va dire? Alors, exclusives, sans doute, c'est impossible. Aujourd'hui, l'espèce, les liquidités, notamment dans les pays émergents, est toujours assez importante. Alors, il est vrai que l'utilisation des cartes de crédit, de débit, Visa, Mastercard, American Express sont en train d'exploser. Il y a à peu près 10% de taux de croissance chaque année, ce qui est énorme. Mais surtout, le paiement électronique. Et on peut penser paiement électronique classique comme PayPal, qui génère aujourd'hui énormément de paiements, mais des paiements justement un peu plus innovants, notamment à partir d'un smartphone. Ouais, et on pense aussi au Bitcoin, ce serait une sorte de mutation culturelle aussi. Donc, PayPal aussi, l'Apple Play, pardon. Oui, il y a beaucoup de sujets. Le Bitcoin, effectivement, je pense qu'il y a eu beaucoup de buzz aujourd'hui. C'est une part marginale des paiements internationaux. Aujourd'hui, véritablement, les États, les grandes sociétés comme Mastercard et Visa essayent un petit peu d'éduquer la population pour les obliger de prendre des cartes de crédit, cartes de débit, justement pour obliger tout le monde à utiliser de l'argent qu'on puisse suivre et tracer pour que l'État puisse un peu les taxer. Et qu'est-ce qui pourrait freiner justement les banques centrales, les États, justement repousser l'utilisation de ces moyens de paiement innovants? Est-ce que ce sont des considérations philosophiques ou c'est des techniques avant tout? Non, il n'y en a aucune. On voit sans doute le déclencheur en fait sur les solutions de paiement mobile va arriver avec l'iPhone 6 qui notamment a une solution de NFC de paiement sans contact. Donc on va pouvoir payer avec son iPhone en passant chez le boulanger au-dessus d'un terminal et ça va être sans doute ça qui va déclencher l'adoption par le grand public en fait du paiement électronique. Donc
que les monnaies nationales, elles ont encore un avenir, malgré tout. Oui, ce n'est pas du tout le même sujet. Les monnaies nationales resteront, l'euro, le dollar, le yuan pour la Chine. Et comment se positionne justement Israël par rapport à cette évolution? Est-ce qu'on est un petit peu en retard ou est-ce qu'on a pris de l'avance? On est déjà à l'avant-garde en matière de lutte contre le blanchiment. Est extrêmement actif dans ce domaine, tout ce qui est blanchiment d'argent. Alors là, aujourd'hui, on parle de cette mesure pour limiter les transactions, notamment en cash, en espèces. Mais il faut savoir que le responsable du Israeli Tax Authority, le fisc israélien, était il y a quelques semaines en Suisse pour rencontrer notamment les responsables des banques suisses pour essayer de voir où les Israéliens savoir s'ils avaient justement des comptes en banque cachés en Suisse et même dans d'autres paradis fiscaux. Donc l'activité de l'Israeli Tax Authority est complètement renforcée depuis, on va dire, depuis peut-être 2 ans voire 3 ans, et c'est notamment dû au fait du FATCA. En fait, vous savez, c'est l'autorité, on va dire, aux États-Unis qui a demandé à la Suisse un petit peu d'ouvrir son secret bancaire. Il y a une répercussion en Israël, donc les banques israéliennes aujourd'hui doivent ouvrir notamment les données, les noms des responsables de comptes en banque. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces explications. Merci. Et on passe au second